Bonjour à tous et bienvenue dans Mes Aléas. Aujourd'hui, je vous amène haut, très très haut. Si je vous dis altitude, sensation, double commande et le frisson garanti, je vous invite à me suivre au 7e ciel parce que aujourd'hui, je vais piloter un avion. Et oui, installez-vous confortablement, attachez votre ceinture de sécurité et soyez prêts pour le décollage. C'est parti! Bonjour Léa. Enchantée Pierre-Jean. Merci de m'accueillir dans cet aéroport de Toussus-le-Noble où aujourd'hui je vais tester un cours de pilotage. Alors parlez-moi un petit peu de tout ce que vous faites parce que vous êtes avant tout un centre de formation. Exactement, nous sommes un centre de formation pilote où nous proposons des formations du pilote privé au pilote professionnel à des personnes qui ont pour vocation de finir pilote de ligne. Et vous avez combien d'avions et de pistes ici? Alors ici on a environ une vingtaine d'avions. Ah oui. On est un peu limité par rapport au hangar, mais sinon, on a une activité aussi jet au Bourget, etc., qui nous permet effectivement d'augmenter notre volume d'heures. Comment se déroule un cours de pilotage comme ce que je vais faire aujourd'hui? Quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer? Nous allons en priorité passer en salle de briefing, parler de ce qu'on va faire en vol, et en vol, ensuite, on fera ce qu'on a dit qu'on allait faire en briefing. Donc, il y a le cours théorique, pédagogique et la pratique. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas pratiquer ces vols pour des raisons de santé? En ce qui concerne les vols d'initiation, tout le monde peut venir sans avoir à justifier d'un certificat médical. Par contre, après, effectivement, en formation initiale, pour tout ce qui est autre formation aéronautique, il faudra passer chez un médecin agréé. Quel est le prix d'un cours de pilotage? Alors, le cours que tu vas prendre aujourd'hui, si tu me permets de tutoyer, bien sûr. Environ d'une demi-heure, c'est 180 euros. 180 euros. Aux alentours de 180 euros, suivant le type d'avion. Alors, vous parliez de jet privé. Oui. Du coup, je vais profiter. Vous êtes au courant que vous allez me ramener à Paris? Ben, je vais pouvoir profiter d'un jet privé. Avec plaisir. Au top. Bon, mais écoutez, on passe à un cours théorique. J'ai hâte de piloter. Allons-y. Me voici dans le cours pédagogique. Voilà, Léa, ça, c'est le type d'avion que nous allons prendre, un Cessna 172. OK. Donc, avion américain à aile haute. D'accord, avec des haubans pour renforcer la structure et les contraintes appliquées sur les ailes. Donc je fais décollage, vol, atterrissage. Alors le décollage, le vol, d'accord, l'atterrissage, je pense qu'on le fera ensemble. Vous n'avez pas confiance en moi? Si, totalement, mais bon, on va faire le vol de A à Y. La prochaine d'accord. Fois, tu le feras de A à Z. Bon, en tout cas, moi je suis prête, motivée. Eh bien, on peut y aller. On va procéder à la mise en route, d'accord. On va gaver le moteur, l'essence, comme il n'a pas tourné aujourd'hui. Et on est parti. Vas-y, okay. Tu peux mettre en route. Et je fais comment? Bah tu tournes. Ah bah d'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oula, c'est impressionnant. Pas mal. Voilà. On monte à combien de kilomètres heure là? On va décoller en environ 100 km/h. Voilà, ça va être à toi. Allez, à toi. Et un, et deux, et trois. Voilà, tu mets le nez tangent à l'horizon et t'as décollé l'avion. C'est toi qui l'as fait à partir de ce moment-là. Ah, génial. Voilà, sois super détendu sur le manche, d'accord? Très réactif, tu pousses, ça descend, tu tires, ça monte. D'accord. Voilà, c'est très très bien. Génial. Pas mal, hein? Et on monte. 82, c'est exactement ce qu'on voulait. Nous avons la puissance, les paramètres sont dans le vert. Alors on descend un tout petit peu. Je suis complètement désorientée, je ne sais pas du tout si on est au nord, au sud, à l'est. Je ne sais même pas où est l'aéroport. Allez, il est où l'aéroport? L'aéroport est juste là-bas devant. Ah, mais voyez, je croyais voilà. Qu'il était derrière, donc non, déjà... Non. Voilà, là, tu vois, t'as un lac en face, tu vas tout droit. Tu vas tout droit, le lac en face. Reste un tout petit peu à droite encore. Coupe. Ouais. Ah oui, si on pouvait éviter de se prendre l'hélico, ça m'arrangerait. Eux, ils passent plus bas que nous, c'est fait exprès. Voilà. Mais c'est Léa qui pilote. Ouais. Voilà. Allez, tu peux aller à gauche, à toi. Tu vises le même immeuble qui est blanc qu'il y avait là-bas. Ouais. Là, c'est Brucia. C'est bon. On sort un petit peu de volet. Voilà. Il va descendre tout seul ton avion. 600 tours, ok. Ouais, super. On peut ressortir un peu de volet si tu veux, comme tout à l'heure. Un grand volet, vas-y. Je descends? Prends ça, ouais. Tu mets vers le bas. Voilà, un petit peu. Allez, vas-y. Alors, il faut décaler vers la droite, très bien. Voilà, c'est très bien. Oh, ah, pas de soucis, c'est bon. C'est normal. Bon. Ouais.
Allez. On va chercher le sol gentiment. Voilà. Et on va faire. On est au-dessus du sol tranquillement comme ça. Voilà, et on va atterrir gentiment. Voilà, super. On va relâcher le manche. Petit à petit. Assuré. Pas très droit tout ça. Bienvenue à Toussus-le-Nov, où nous avons une température extérieure de 8 degrés. Et voilà. Bon, mais Pierre-Jean, merci beaucoup pour merci ce vol d'initiation. Merci à toi, Léa. C'était bien, je vois qu'il y a de la vocation quand même. Tu es relativement doué, c'était bien, t'as pas eu peur. Est-ce que j'ai été une bonne élève? Ouais, une bonne élève. Tu as une bonne tenue d'altitude, cap, de trajectoire. Et puis voilà, t'es relativement détendu, donc voilà, tous les atouts pour commencer un brevet de pilote privé, pourquoi si pas. Tu le souhaites. Pourquoi pas. Ben, je vous remercie, je vous fais la bise. Merci pour votre accueil, Air & Company, vous êtes géniaux. À bientôt en tout cas, très bel accueil, très belle expérience, je vous remercie mille fois. C'est très gentil à vous d'être passé nous voir et puis revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Ce sera avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Hop. Alors, que dire de ce cours de pilotage? Une expérience vraiment unique que je vous conseille de découvrir. L'accueil est génial, j'ai appris beaucoup de choses. Donc le pilote m'a fait faire des manipulations qui sont vraiment sympas à découvrir. Donc je vous conseille ça aussi pour un cadeau. Ça peut être sympa comme cadeau à offrir. 30 minutes au rapport qualité-prix, c'est très bien. Donc j'espère que ça vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans mes aléas. Salut! Complètement désorienté, je ne sais pas du tout si on est au nord, au sud, à l'est. Je ne sais pas où est l'aéroport. Allez, il est où l'aéroport? L'aéroport est juste là-bas devant. Mais voyez, je croyais qu'il était derrière. Donc déjà, on ne fait pas de looping, on est d'accord. Hein, on n'est pas en mode 14 juillet là, on s'étend. Il n'y a pas de soucis.